Let's go. Moi, je m'appelle Thierry Collet, je suis magicien et comédien et je porte ce projet qui s'appelle Qui Vive. Moi, je suis Éric Didry et je suis metteur en scène. Qui Vive, c'est un spectacle très joueur. Ça, c'est une chose qu'on a vraiment essayé de garder. Et ce qui m'intéressait, c'était beaucoup la relation avec le public, parce que la magie, c'est une relation multiple avec le public. On peut dire que c'est un spectacle de magie, mais pas seulement. C'est un spectacle où la magie est un point de départ pour se poser des questions de comment est-ce qu'on regarde le monde. À partir du fait de comment on regarde la magie, on se dit qu'est-ce qui conditionne notre perception de la réalité. Une comédie finalement inquiétante. J'ai bluffé, j'ai trouvé ça super. Ouais, mortel, ouais, vraiment, on s'y attendait pas. C'était super sympa et super marrant et super intéressant, voilà. C'était impressionnant, j'ai trouvé. Je peux pas vous raconter ça en deux mots, c'est vraiment fantastique, extraordinaire. Ils sont en complicité avec nous, c'est un très très bon moment. C'est d'être pendant une heure et demie les yeux tous grands écarquillés, de rien comprendre, mais c'est pas grave. Voilà, c'était vraiment super, vraiment. La compagnie s'appelle Les mains, les pieds et la tête aussi. Elle a été fondée en 2001 autour de l'année des arts du cirque avec un premier spectacle qui s'appelle Fenêtre, qui a joué ici à la Villette. On a fabriqué un espace où on pouvait se mettre en marche. Il y a quelques agrès qui composent cette scénographie, qui sont des outils pour se mettre en marche. Et ces trois personnes vont se rencontrer, se définir au fur et à mesure du spectacle. Dans ce qu'ils ont de particulier dans leur relation. En quelque sorte, ça pourrait être trois portraits. Le propos même est qu'est-ce qui se passe quand on se met en marche? Quelles histoires se greffent sur des corps en mouvement aussi? Il y a toute une équipe qui se met en place avec, j'ai parlé de trois personnes au plateau, mais il y a aussi trois personnes qui s'occupent de la vidéo, du son et de la lumière, et que ces éléments sont indissociables de l'écriture du spectacle. C'est un tissage, un maillage entre ces différentes composantes qui forment le spectacle. Let's go. Oui, ça m'a beaucoup plu. C'est un kaléidoscope d'images, de sensations, de propositions. Nous, on a trouvé ça magnifique, en fait. Ça nécessite tellement de précision dans les mouvements, quoi. Il suffit qu'il y ait d'un petit mouvement et hop, tout peut se casser. Je suis époustouflée. Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça extraordinaire. Moi, j'ai bien aimé quand le monsieur, il s'est fait exprès de faire mal, mais quand même, il s'est fait mal quand même, mais j'ai bien aimé. Excellent. Haute tension.